avez aimé ma musique? Aujourd'hui, on va ouvrir le deck de combat Reshiram de Destinée Future. Reshiram est un Pokémon légendaire de type feu et dragon de la 5e génération. C'est le rival du Pokémon Zekrom. Reshiram est la mascotte du jeu Pokémon Noir. Et il est associé au symbole du Yang. Reshiram peut fusionner avec Kyurem grâce au pointeau ADN et il se fusionne en Kyurem blanc. La queue de Reshiram ressemble à un moteur d'avion. Elle lui permet de voler plus rapidement et d'embraser tout autour de lui. Bon allez les pitchous, on passe sur le plateau pour ouvrir ce formidable Reshiram de noir et blanc destiné futur. Alors, votre destiné recèle de combats de Pokémon X. L'extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon noir et blanc destiné futur fait le plein de Pokémon X. Pour vous donner des pouvoirs exceptionnels, découvrez d'excellents Pokémon tels que Reshiram X ou Zekrom X, et même des Pokémon étrangers à la région d'Unis comme Mewtwo X. Destinée future, de quoi changer votre destinée. Des Pokémon avec plein de PV, des cartes énergie spéciales, des cartes dresseurs avec des pouvoirs améliorés ainsi que des stratégies avancées pour vous faire accumuler les victoires. Ah bah donc on aime bien ce Reshiram. Ça c'était sur le jeu noir et blanc, vous voyez cette image. Vous avez vu, il est vraiment beau. C'est éclat explosif, c'est le nom du deck de combat. Vous avez vu, il est pailleté comme une galopade Galarvée. Alors, maintenant, nous allons ouvrir. Vraiment magnifique ce deck de combat. Tiens, il y a un tout petit médaillon. C'est un médaillon Reshiram et Zekrom. J'ai jamais vu de médaillon comme ça. Vraiment très joli ce médaillon. C'est un médaillon qui est tout blanc. Et, oh bah tiens, le derrière il est blanc. Il est super ce médaillon, j'en ai jamais eu des comme ça. Il est trop bien. Alors, ça c'est la carte Reshiram qui a colère. Normalement, colère s'attaque de 120, mais bon. Attaque 20 plus elle inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts placé sur ce Pokémon. Et il a flamme bleue qui attaque de 120. Il est marqué flamme bleue, mais normalement, son attaque c'est flamme noire. Posez là. Tiens, une belle carte à code, j'en ai jamais vu des comme ça. Franchement, elle est incroyable cette série. Alors, ça c'est les marqueurs de dégâts. Ça c'est la brûlure, l'empoisonnement. Je sais pas ce qui nous intéresse le plus. Alors là, il y a le tapis pour jouer. Que je vais vous montrer dans un instant. Voilà. Bon, on va regarder ça. Quoi de neuf dans l'extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon noir et blanc destiné futur?
Là, il montre Reshiram Mesichrome X, la flamme de bravoure, Reshiram. Et l'autre, Zekrom, il a décharge foudroyante. Il fait le même nombre de dégâts. Là, il y a un centre Pokémon. Là, il montre Reshiram X, c'est plus gros. Là, il montre la règle X. Lorsqu'un Pokémon X est mis KO, l'adversaire récupère 2 cartes récompenses. Et quand l'adversaire a pris 6 cartes récompenses, il a gagné. Ça, c'est 2 cartes Reshiram X. Regigigas X. Mais je préfère quand même celle-là. Elle est plus jolie. Il y a ça. Noir et blanc en destinée future. Ça, c'est toutes les cartes. Ça, c'est les petits trucs pour ranger les cartes avec Reshiram, noir et blanc, destinée future. Alors, énergie feu. Persian, c'est l'évolution de Miaou. Mélancolux, attaque de Flamèche, ça fait 40. Généralement, ça fait 30 ou 20, donc il est fort. Énergie eau. Lugulabre, il a feu d'enfer qui fait 80. Il est fort, hein. Il a rebondi feu. Pikachu, il a rebondi feu d'un truc comme ça. Lui, c'est rebondi feu. Chiren, tiens, c'est une carte de la série Pouvoirs Antiques et non de Destinée Future. Polarume, oh, il a chopé un rond, le pauvre. Bon, Sagiciel, il est trop dur à dire ce nom. Bargantua, il y a Croix à Vif. Ching. Polagriffe qui attaque de 60 plus 30, ce qui fait 90 avec Embuscade, et Découragement qui attaque de 40. Il a 120 PV. Rachid, il a l'air gentil. La Mass Ball, c'est pour attraper les Pokémon lourds. Mais elle marche pas à tous les coups, même contre du Pokémon lourd. Funessir, il a Flamboiement qui attaque de 10. Qu'est-ce que t'es mignon, toi? Recherche d'énergie de la série Noir et Blanc. C'est une commune qu'on remarque avec un rond noir en bas de la carte. Mais c'est bizarre parce que généralement, les dresseurs, c'est des peaux communes. Sorboule, lui aussi, c'est une peau commune qu'on remarque avec un losange noir en bas de la carte. Très rigolo. Il a vent glace et verglas. Ça rime. Un peu, hein. Caninos qui attaque de 20 avec Fournaise. Sort bébé! Tiens, il donne une sorte de sort bébé à une dame. Une autre personne, plutôt. Content. Arcanin! Explosion de chaleur. Flamme à joue. Donc, il fait cuire des baies marrons sur sa tête. Communication Pokémon. Darumaron. Pas que tu tombes, hein, Darumaron. Récupération d'énergie. Oh, Miaouche. C'est un bateau qui est derrière, un très grand bateau. Là, qui l'attend. Celle-là, on les a eues, c'est pour ça que je les dis pas. C'est dommage qu'ils mettent les cartes en plusieurs fois parce que... Voilà, pourtant il est mignon par exemple, Caninos, avec toutes les fleurs, mais bon, nous l'ont déjà donné. Ah, un Reshiram. C'est rigolo.
Mais on dirait que lui, il n'était pas holographique, si. On se revoit la prochaine fois avec Zekro.